dragon, tu as survécu plus longtemps que je le pensais. Mais tu ne sais pas quel danger t'attend encore. Tu devrais prendre ton chat et les œufs que tu as trouvés et retourner chez toi tant que tu peux. C'est pour ton propre bien que je dis ça, tu sais. Pour aller à la pêche, mais les rhinocs ont bloqué le passage avec de la glace et je n'arrive pas à passer. J'ai essayé de dégager le passage avec ce canon, mais il ne tire pas droit. Je n'ai rien touché de toute la matinée.
Spiro. Le plus grand spectacle au monde se trouve derrière cette porte. Ah, la... J'ai toujours su que tu étais un dragon cultivé. Ce soir, c'est mon grand spectacle de danse sur glace et ces joueurs de hockey, ça cache tout. Dès que tu pourrais m'aider à faire mon spectacle de danse sur glace. Merci, allons-y. Je dois me dépêcher, moi aussi. J'ai mis des blocs de glace ce matin pour que Bob n'arrive pas avant moi au trou de pêche. Si tu veux essayer de pêcher, tu peux prendre cette... Oh, au fait, tu peux utiliser notre gondole.
Hey, Spiro, Zoé m'a dit que si on touche ce bidule là-haut, le portail s'ouvrira. Essaie de lui lancer cette pierre, non? Ces maudits Rinnoch nous ont obligés à construire une statue de la sorcière. Oh, et après, elle s'est plainte qu'elle était trop moche. À mon avis, la statue est bien plus jolie qu'elle. Thank you.
oublié que j'avais caché un œuf dans la statue. J'espère. Fifo-fifo-foum! Ah, eh bien, flûte. Fidelifo, pousse! Gabling, gablo, gabaille! On devrait l'aider! Tu plaisantes, non? Elle a failli te faire griller! Ouais! Mais c'est toi qu'elle visait. J'arrive. Merci. De rien. Tu as beaucoup de chance que Chasseur ait été là. Je peux m'occuper de moi. Mais oui, bien sûr. Tu veux peut-être que je te montre? Plus de magie, hein? Tu veux que je te donne un coup de main? Je m'occuperai de toi plus tard. Hé, hey, elle s'est enfuie à cause de toi! Spiro, la sorte. Oh, quel idiot! Sergent Bird, 90068, j'attends les ordres. Tu vas devoir trouver ton supérieur si tu veux des ordres. Sinon, c'est quoi ces trucs? C'est du matériel militaire dernier cri. Des lance-roquettes DBX-9, la crème de la crème. Et tu ne les as pas utilisés pour t'échapper? Parce que j'ai peu de munitions. Je voulais les économiser pour ça.
Dis, mais d'où viens-tu? Je croyais que les dragons étaient tous morts depuis un millénaire. Ma foi, les rumeurs d'extinction sont très exagérées. On voulait juste un peu de calme et de tranquillité. Et si c'est du calme que tu veux, tu devrais éviter mon monde pour le moment. Je vais aller exploser des rhinocs pendant des semaines. À plus. Ou des murs à escalader,